Cher Bahourim, cher internaute, bonjour. D'accord, donc le sujet d'aujourd'hui, nous allons un peu parler de d'une mitzvah qui s'appelle l'otikom velotitor. Donc nous avons deux commandements négatifs, enfin négatifs, des interdits, à savoir l'interdiction de se venger et l'interdiction de prêter rancune. On ne va pas s'arrêter sur le côté ilkhatik, c'est-à-dire les lois, précisément les lois, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Mais on va plutôt parler des ikronot, des principes généraux, du pourquoi, du comment, de la raison pour laquelle on ne doit pas ni se venger, ni prêter rancune. D'accord? D'accord. Donc, ça veut dire quoi, se venger et prêter rancune? Donc, juste une petite définition. Se venger, c'est par exemple, quelqu'un. Il me dit, tiens, prête-moi ta casserole. Et il dit, non, je ne te prête pas ma casserole. Tu sais pourquoi je ne te prête pas ma casserole? Parce que toi, tu n'as pas voulu me prêter ta poêle. D'accord? Donc, en ne pas lui prêtant ma casserole, je me venge. D'accord? C'est un interdit de la Torah. Ça s'appelle l'otikom. Tu m'as fait ça, alors moi je te fais ça. Maintenant, c'est quoi l'otitor? C'est de ne pas prêter rancune. Pas garder rancune, pardon. C'est quoi pas garder rancune? C'est-à-dire que le type, la même chose, il me demande, prête-moi ta casserole. Et moi, je lui dis, c'est quoi? Moi, je te prête ma casserole. Je ne suis pas comme toi qui n'as pas voulu me prêter ta poêle. D'accord? Donc, Bémet, je lui prête, mais je lui fais bien ressentir que je n'ai pas, que je garde rancune, quoi. D'accord? Je vais bien ressentir que je lui en veux. Donc, je lui fais bien ressentir que je lui en veux. Ça, c'est l'otikom et l'otitor. La Torah, elle vient nous dire que, les amis, c'est à sourd de faire ça. On ne doit ni se venger, ni garder rancune. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Pourquoi? D'accord. Alors, on va étudier les raisons du pourquoi. Alors, dans les commentateurs, on trouve trois raisons essentielles. Trois raisons essentielles. La première raison, c'est un peu tiré du Rambam, c'est un peu de tiré de plein de commentateurs. Et ils expliquent comme ça. Donc ici, le Rav y ramène la raison. Première raison que les Mefarshim y expliquent. Alors avant de donner la raison, on va raconter une petite histoire. David Ameller, vous connaissez l'histoire de David Ameller, lorsqu'il a fui devant son fils Avshalom. Avshalom, donc un des grands-fils de David Ameller, va se révolter contre son père. Pendant quelques années, il va monter toute une rébellion contre son père. Et à la fin, David va devoir fuir devant Avshalom, son fils. Maintenant, dans la fuite, David rencontrer une personne qui s'appelait Shimi Ben Guerra. Shimi Ben Guerra, qui était à l'époque un monsieur très important, va voir David et il va commencer à l'insulter. Il va lui dire de commencer des choses pas très jolies. À ce moment-là, il y a le général de l'armée de David qui s'appelait Yoav. Qu'est-ce qu'il va faire Yoav? Il va sortir son épée, il va vouloir le tuer. Il dit, comment est-ce que cette vermine, enfin cet insolent, il ose parler comme ça sur le roi d'Israël? David Ameller va lui dire, non, 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 laisse le maudire. D'accord? S'il maudit, c'est que Hachem, il lui a demandé de maudire. D'accord? On voit que David ici, il n'a pas voulu se venger de Shimon Ben Guerra. Pourquoi il n'a pas voulu se venger de lui? Il a très bien compris qu'en réalité, la personne qui est en face de moi, ce n'est pas lui qui vient me faire du mal, ce n'est qu'un bâton dans la main de Dieu. D'accord, c'est un ustensile qu'Akadosh Baruch Hu utilise afin de me réveiller, afin de me transmettre un certain message. D'accord? Pour illustrer la chose, on raconte l'histoire le Sandlar. Vous avez parlé du Sandlar, Rabbi Yaakov, Rabinov. Vous connaissez? Non? Vous avez parlé du Sandlar? Sandlar, c'est un tzaddik qui habitait à Tel Aviv. Un grand tzaddik, très connu, plein d'histoires sur lui. Et il raconte sur lui qu'un jour, il marchait dans la rue à Tel Aviv et s'est fait renverser par une voiture. La voiture, elle a pris, elle a renversé. Bon, ils l'ont pris, ils l'ont emmené à l'hôpital, ils l'ont soigné. Bon, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Quelque temps plus tard, il a reçu une convocation au tribunal pour venir justement témoigner pour l'accident. Donc il arrive devant le juge et le juge lui dit, bonjour, vous êtes monsieur Intel? Alors le rav, il dit, oui, c'est moi. Il dit, vous habitez rue Intel vers Intel? Il dit, oui, en effet. Tel jour, vous étiez donc dans les rues de Tel Aviv, vous marchiez dans la rue. Oui, c'est moi, en effet, c'est ça. Et là, à ce moment-là, la personne, là, en montrant donc, le chauffeur, le chauffard,
qui conduisait la voiture, et cette personne-là, donc elle vous a renversé, elle vous a, bon, elle vous a renversé, vous a accidenté. Et le sandlard, il dit non, non, pas du tout. Il dit quoi, pas du tout? Il dit non, non, c'est Hachem. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Alors le juge, il commence à entendre ce qu'il raconte, il prend son. Sur la porte, sur le bureau, fort comme ça, il dit attendez, vous êtes monsieur un tel? Oui. Vous habitez rue un tel? Oui. Vous étiez tel jour à Tel Aviv, dans tel endroit? Il dit oui. Et ce monsieur-là, il vous a renversé? Oui. Oui ou non? Alors le sandlard dit non, 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 pas du tout. Il dit mais comment pas du tout? Alors c'est qui? Il dit mais c'est pas lui, c'est Hachem. Attends, là, attends, là, je veux. Là, un truc qui va pas là. Vous êtes monsieur un tel? Oui. Vous étiez tel endroit, machin? Des gens vous ont vu, ils vous ont ramassé, machin. C'était cette personne qui vous a renversé? Oui ou non? Il dit non, pas du tout, c'est Hachem. Alors le juge, il sort de ses gonds. Il dit, si vous continuez comme ça, non seulement je vous embarque et je vous fais sortir du tribunal avec une grosse amende, vous moquez du tribunal. Il dit, non, pas du tout, moi je me moque de personne. Mais j'ai pris sur moi de ne dire que des paroles de vérité, que de dire la vérité. Maintenant, en réalité, cette personne-là n'y est pour rien. Lui, il n'est qu'un bâton dans la main de Dieu. Je devais recevoir ça. Et Hachem, il a choisi que cette personne-là, c'est lui qui devait le faire. Alors pourquoi je vais lui en vouloir? Je n'en veux pas du tout. Moi, j'ai rien contre lui. Au contraire, moi, beaucoup d'amitié pour cette personne-là. Elle a été l'outil d'Hachem. Ben, je la remercie. Moi, j'ai rien à voir avec lui. C'est tout. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait. Bon, le juge, il a vu qu'il n'y a rien à faire avec lui. Il a dit, allez, salut. Laissez-le partir chez lui. Donc, là, nous avons la première raison pour laquelle on ne doit pas se venger. Tout simplement parce que la personne en face de toi qui apparemment t'a fait du mal, ce n'est pas elle. La personne qui est en face de toi, qui t'a fait ce mal-là, ce n'est qu'un bâton dans la main de Dieu. Oui, de vouloir s'en prendre à l'autre en croyant que c'est l'autre qui me fait, c'est une bêtise. C'est rien du tout, c'est un bâton dans la main de Dieu. Tous nos ennemis autour de nous qui nous veulent du mal, ce n'est pas eux qui nous veulent du mal. On va dire c'est Hachem, Hachem ne veut pas de mal. Hachem, il veut nous réveiller. Et il les utilise comme un bâton. D'accord? Première raison. Maintenant, la deuxième raison, le deuxième pshat. Comme on l'a dit hier, je ne sais pas si vous vous rappelez, par rapport à Nefashot, Bore Nefashot, vous vous rappelez ce qu'on a dit hier, Bore Nefashot. Alors là-bas, il y a marqué que le Ham Israël, comment est-ce qu'il a appelé le Ham Israël, le peuple d'Israël, il appelait Nefesh. Nefesh, ça veut dire âme, mais âme au singulier. D'où on apprend ça? On apprend que quand Yaakov, donc Jacob, il est descendu en Égypte, il y a marqué qu'ils sont descendus, Shivim Nefesh, Yardou Mitzrayima, 70 âmes sont des, avec 70 âmes, ils sont descendus en Égypte. Maintenant, le mot âme, en français, le pluriel et le singulier, il n'y a pas de différence dans la prononciation. Mais en hébreu, au singulier on dit nefesh, et au pluriel on dit nefashot. Donc là-bas, ce n'est pas écrit au pluriel, mais c'est écrit au singulier, nefesh. D'accord? Donc le Ram Israël, il est appelé nefesh, il est appelé une âme au singulier. Tandis que les nations, toutes les nations du monde, comment elles sont appelées? Elles sont appelées Nefashot. D'où on apprend ça? On apprend aussi l'inversé. Lorsque Essa va prendre sa famille, ses femmes et ses enfants, et il va partir. Là-bas, il y a marqué, il va prendre Nefashot Beto, les âmes de sa maison. Là-bas, le mot âme, il est au pluriel. Donc on voit que les nations du monde sont appelées Nefashot au pluriel, et leur âme Israël est appelée Nefesh au singulier. D'accord? Alors quel rapport? Ce que ça veut dire, c'est-à-dire en réalité que tout le Ram Israël ne fait qu'un. Nous sommes en réalité tous, toutes nos âmes ne font qu'une seule âme, nous sommes qu'un seul individu. Pour imager la chose, il faut. Un jour, il y a un monsieur qui est parti chez le dentiste. Il dit, bon, monsieur le dentiste, voilà, alors je voudrais que vous m'arrachiez les deux dents du haut et les deux dents du bas, s'il vous plaît. Oh là là, vous devez terriblement souffrir, hein. Voilà, de quatre dents, ça doit vous faire très très, très mal. Alors, attendez, on va faire une radio, je vais voir où est-ce qu'est l'infection et on va voir pourquoi. Et le monsieur lui dit, ah non, pas du tout, moi je souffre pas du tout. Il dit, ah, comment, pourquoi voulez-vous vous faire arracher quatre dents si vous souffrez pas? Ah, dis, bah, tout simplement, c'est pas ce qui m'arrivait hier. Hier, j'étais en train de manger du gâteau et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? En mangeant donc le gâteau, mes dents ont mordu ma langue. Et le sang, il a coulé, j'ai eu très 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 mal pendant des dizaines de minutes. Aujourd'hui, je suis venu chez vous parce que je voulais me venger de ces dents-là. D'accord? Les dents qui m'ont fait du mal, les dents qui ont fait mal à du ma langue, je vais leur dire, tu vois ce que je vais leur faire. On va les arracher. Le docteur, il regarde et il me dit, dites-moi,
Vous n'avez pas un peu un problème dans la tête, monsieur? Il dit, mais vous savez pas que les dents et votre langue font partie du même corps? Si vous croyez qu'en enlevant les dents, vous allez faire du bien à votre langue, pas du tout. D'accord, peut-être on voit plus les morts, mais ça fait tout un corps. Lorsque une partie du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. Oui? Et donc, c'est exactement la même chose. Le Ham Israël, il est nefesh echad, il est appelé un corps. Lorsque quelqu'un te fait du mal, c'est comme si que les dents ont mordu la langue. Maintenant, qu'est-ce que tu vas te venger contre lui? Tu vas continuer à te faire du mal contre toi-même. D'accord? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Nous, on est tous dans le même bateau. Parce que toi, tu as fait un trou dans le bateau, alors moi, je vais en faire un deuxième pour me venger. Ça veut rien dire, on va couler encore plus vite. Il y a une histoire qu'on raconte au nom du Chefetz Chaim. Elle est un peu plus profonde que ce qu'on croit. Là-bas, le Chefetz Chaim, un jour, il a été volé. Il y a un voleur, hein, il est venu, il a volé ses chandeliers. Le Chefetz Chaim, il a commencé à courir après le voleur, et le voleur, il court. Et il lui dit au voleur, il dit, Mochel, Mochel, je suis Mochel, je te les donne, pour toi, prends-les, je te les donne. Et ah, ils ont dit au Chefetz Chaim, ah, quel tzaddik, machin, c'est à tel point, t'es tzaddik que tu es mévater, comment on dit, tu renonces à tes pamones pour pas que lui transgresse. Il est vole, il dit, non, c'est pas du tout, c'est pas la raison. Enfin, ce n'est pas que la raison. La raison, elle est plus profonde que ça. Il dit que si lui, il vole, donc il va couler. Mais si lui, il coule, moi aussi, je coule. D'accord? Et si moi, je coule, donc la Shrina Gosha, la présence divine, aussi, elle coule. Et donc lui, il voulait pas qu'il y ait d'avéro dans le Ham Israël. Parce que moins il y a de fautes, et moins on s'enfonce. D'accord? Donc ça sert à rien de vouloir se venger, de donner le mal pour le mal. Ça, c'est la deuxième raison que les Mefarshim y donnent. Il y a une troisième raison. Donc la troisième raison, ça paraît très enfantin ce que je vais dire, mais c'est bien plus profond que. Il faut y réfléchir. Et lorsque vous voyez des enfants en train de se disputer, ouais, truc, ils se bagarrent, ils se disputent, alors tu vas en milieu, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez? Il dit, ouais, il m'a pris ma bille, ouais, non, c'est pas ma bille, c'est ma bille à moi, il m'a tué un truc. C'est pour ça que vous disputez, pour une petite bille. Mais comment ça vaut une bille? Ça vaut 10 agourottes, 20 agourottes, c'est pour ça que vous disputez, franchement. Lorsqu'on voit une dispute d'enfant, ça nous paraît, c'est ridicule, c'est bas. Ouais? Alors, le Farchim, il explique exactement la même façon. Lorsque des hommes se disputent, pour quoi que ce soit, d'accord? Dans le ciel, ils voient cette dispute de façon aussi, comment dire, aussi ridiculement, ça se dit pas. De façon aussi ridicule que lorsque nous voyons, nous, une dispute d'enfant. Qu'en réalité, toutes nos disputes, toutes nos machins par rapport à l'éternité, par rapport aux grandes choses qui nous attendent, d'accord, toutes ces choses-là, c'est ridicule. Donc c'est une des raisons pour laquelle on ne doit pas se venger, on ne doit pas prêter rancune. Et pourquoi, sur quoi tu te venges? Sur quoi tu te. Sur des bêtises de ce monde? D'accord? Si vous réfléchissez, c'est plus marquant que ce qu'on le croit. Alors on va faire un petit détour par rapport à ça, parce que c'est un sujet qui mérite à être développé un petit peu plus. On voit que, par exemple, à Soukhot, on a une mitzvah de rester 7 jours dans la soukha. D'accord? Comment c'est écrit dans le verset? Comment c'est écrit dans le verset? Be'soukhot yishvu shivat yamim, kol ha'ezra be'Israël yishvu ba'soukhot. Donc, be'soukhot, dans des cabanes, yishvu shivat yamim, vous vivrez pendant 7 jours, Kol Ezra Israël, tous les citoyens d'Israël, Yishvu Basukot, ils habiteront dans les Soukot. Donc vous voyez en réalité ici dans le verset, il y a une certaine redondance. Le verset il répète 2 fois la même chose. Vous avez fait attention ou pas? Je répète. Besukot et Yishvu Shivayamim, donc dans les Soukot vous vivrez pendant 7 jours. D'accord? Donc qui doit vivre pendant 7 jours? C'est nous, ouais. Le verset qu'on dit, Kol Ezra et tous les citoyens, hein, vous savez quoi d'Israël, ils devront en vivre dans la Souka. Ben, c'est exactement la même chose. Pourquoi 2 fois on nous répète? Alors, Rabbi Yonatan Eibeshitz, il explique, donc ce n'est pas du pshat, c'est du drouche, il explique ici que la première partie du verset, elle s'adresse au commun des mortels. À savoir, vous devez vous vivre dans la Souka, hein, pendant combien de temps? Que pendant 7 jours. Tandis que les Ezrar, le citoyen, c'est qui le citoyen? C'est le tzaddik. Le citoyen, on l'appelle le tzaddik, on l'appelle le citoyen. Pourquoi on apprend ça d'Abraham Avinu? Vous voyez un verset qui dit qu'Abraham. Bon, Abraham Avinu, il a son kinouï, ça. Comment on dit kinouï en français? Son surnom, si on peut dire, son surnom, c'est citoyen. Le citoyen, lui, le tzaddik,
lui doit vivre dans la souka. Quand est-ce qu'on, combien de temps il doit vivre dans la souka? Tout le temps il doit vivre dans la souka. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le tzaddik, lui, doit comprendre. Quand je dis tzaddik, c'est qui? C'est qui le tzaddik? C'est nous, c'est vous, c'est, on est en Bezrat Hashem. La chose à laquelle on aspire, d'accord? C'est pas des choses pour les tzaddikim, mais nous, on a, il y a la Torah des tzaddikim, il y a la Torah des pas tzaddikim. On est tous Bezrat Hashem, on aspire tous à devenir des tzaddikim. En tout cas, nous deux, enfin, oui, nous, Bezrat Hashem, nous devons vivre toute notre vie dans la soukha. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas qu'on doit construire une cabane et habiter dans la soukha, c'est pas ça. C'est-à-dire que la soukha, ça représente l'habitation précaire. On doit ressentir qu'on habite, on vit dans un monde précaire. Et c'est le sentiment qu'on doit avoir. Lorsqu'un homme, il a ce sentiment-là, d'accord, il n'a aucune volonté ni de se venger, ni de prêter rancune, il n'y a rien à faire ici, c'est un endroit complètement, comment on dit? Un endroit de passage. Non, je vais me disputer pour un endroit de passage, ça ne vaut pas le coup, il y a des choses beaucoup plus grandes qui m'attendent. Donc on ne va pas s'attarder ici. Vous savez que Rabbi Baruch Toledano, vous avez entendu parler de Rabbi Baruch Toledano? Rabbi Raphaël Baruch Toledano. Entre autres, certainement. En tout cas, c'était bon, il était venu de Meknes, il est parti, il a fini ses jours à Bnei Brak. En tout cas, c'était un grand, toute la famille Toledano, elle descend de un très grand personnage. Et t'as entendu parler de lui? Maroc, ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il est venu en Israël, il tenait absolument à acheter une maison. Donc il a emprunté de l'argent ici, là-bas, de tous les côtés, il s'est débrouillé pour avoir un peu d'argent pour acheter une maison. Et il a acheté une maison. Ils ont arrangé la maison, ils l'ont rendue très belle, et donc les enfants étaient contents. Ah, ils allaient habiter dans leur nouvelle maison. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Baruch? Il a dit non, pas du tout. Moi, je ne veux pas habiter dans cette maison-là. Je vais louer une maison. On va dire, pourquoi t'as acheté une maison? J'ai acheté une maison parce qu'on a une mitzvah de Yishuv Eret Israël, d'avoir une maison en Israël. Donc j'ai acheté pour cette mitzvah-là. Mais moi, je ne veux pas habiter dans une maison à moi qui est fixe. Moi, je veux. Pourquoi? Parce qu'il voulait ressentir justement.